Célèbre le roi des rois. Célèbre, célèbre, célèbre. Grand-père, le révérend prophète Ferdinand Ekane, le ministère Penetrate of Nations, vous souhaite la bienvenue. Et nous sommes très contents de vous recevoir au milieu de nous en ce jour. Amen. Que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Grand-Padam, the Reverend Prophet Ferdinand Ekane, the Ministry Penal Church of All Nations welcome you and we are very happy to receive you among us. Amen. May the Almighty God bless you. Thank you. Amen. Baba Manga, Reverend Prophet Ferdinand Ekane, Bikoima Penal Church of All Nations, Bikoima Penal Church of All Nations, Vima Ajapama. Si ma belle ferme l'église, je vais fermer. Aujourd'hui, c'est une grâce, c'est de la joie. Alléluia. Amen. Je ne vais pas parler beaucoup, mais je vais passer la parole directement. Je vais introduire mon père spirituel pendant que je passe la parole à toi. Thank you, Jesus. Amen. Qui est content ce matin? Si tu es content, manifeste ta joie et que le Seigneur te bénisse. Mon âme est dans la joie d'être ici pour la première fois. Donc, comme je disais à mon fils, votre père, je crois que je venais juste prier sur l'église. On est à Dieu à 3 ou plus 5 personnes. Je ne savais pas que c'était un programme qui était organisé. Que Dieu te bénisse, fils. Dans le nom souverain de Jésus. Ma prière, c'est que Dieu vous donne, pas seulement le Cameroun, mais les nations tout entières au nom de Jésus. Ma prière, c'est que l'alliance de Dieu dans cette famille prophétique vous ouvre les portes des opportunités pour briser les limites. Dans le nom souverain de Jésus. Ma prière, c'est que cette garnison de prophètes puisse inquiéter tous ceux qui sont malveillants dans cette nation non souveraine de Jésus. Ma prière, c'est que Douala soit petit pour toi.
C'est que Yaoundé soit petit pour toi. C'est que le Cameroun soit petit pour ton fils. C'est que le monde entier soit petit pour ton fils. Dis mon Père, mon Jésus, ta grâce est sur ma vie. Et qu'elle commence à parler en ma faveur. Dans le nom précieux, souverain de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus et la Sainte Église. Vous voyez, le Seigneur est fidèle. Il est grand et il est fidèle. Et le service de Dieu, ce n'est pas une œuvre humaine, ça ne vient pas d'un homme. L'apôtre Paul a dit, Paulos, apostolos Jesu Christo, diatelematu teu. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il dit, ok, anthropo, et non pas par la volonté d'un homme. C'est important de connaître ce que nous valons. Quand tu vois des gens venir comme ça jusqu'à Yadobaflo, parce qu'ils viennent t'écouter, ça veut dire que tu portes quelque chose en toi. On ne suit pas des gens qui n'ont rien à donner. Non, non, des gens qui prennent leur maison, leurs activités pour venir s'asseoir et écouter quelqu'un qui n'a rien à leur donner. Vous voyez, et cette famille, Dieu va vous amener très loin. Les gens vont parler aux fils. Je vais juste parler à toi et parler à tous les fils, à tous ceux qui ont l'ambition de servir le Seigneur. Vous savez, la main de Dieu est sur tous ceux dont le cœur est tourné tout entier vers lui pour manifester sa gloire dans leur vie. Non, restez assis, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Que Dieu vous bénisse. Vos ennemis se tiendront devant vous quand vous parlerez. Dieu leur imposera cela au nom souverain de Jésus. Hier, dans mon exhortation, j'ai expliqué, j'ai parlé du vieux rocher, le rocher antique, le rocher millénaire, le rocher qui était là et on ne voyait rien provenir de ce rocher. Jusqu'au jour où la saison de ce rocher arrivait et que Dieu a suscité un prophète qui visite la place et le lieu de ce rocher. Il y a un ange que Dieu envoie et je suis venu ouvrir la porte pour cette nouvelle saison dans ta vie et dans ton ministère. L'eau coulera de ce rocher. Ce ministère, Dieu frappera. Il se divisera en deux et l'eau jaillira. Et ceux de ta famille qui t'ont méprisé sauront que ton Dieu est un Dieu vivant. Les gens viendront de partout pour voir l'eau qui coule de ce ministère. Les gens quitteront les nations pour arriver. Nous parlons comme des rohés parce que c'est ce qui va arriver. Il faut être humble. Il faut continuer à servir Dieu de tout ton cœur. Il faut être humble. Vous voyez, quand vous lisez Jean 19, verset 22, la Bible dit ceci. Apocrite au Pilatos, au Gégrapha, Gégrapha. Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pourquoi? Parce que quand Jésus devrait être crucifié, la Bible dit que les principaux d'Israël, les sacrificateurs sont venus et ont demandé à Ponce Pilate d'effacer ce qui avait été écrit sur sa croix, celui-ci est le roi des Juifs. Et Pilate leur a dit, je ne peux plus effacer cela, c'est trop tard. Parce que ça a déjà été écrit. Et ce qui est écrit à son sujet, personne, ni moi-même ne pourra l'effacer. Lorsque Dieu a écrit quelque chose sur ta vie, la chose s'accomplira certainement. Elle s'accomplira en son temps. Il faut être patient. Dieu n'est pas un homme. Nous ne servons pas une idole. On ne sert pas un morceau de bois, on ne sert pas un crâne. Non, nous servons le créateur des choses visibles et invisibles. Celui qui a le pouvoir de nous faire vivre et de nous faire mourir. Celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Celui qui dit non, personne ne peut dire oui. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Celui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Et Jésus-Christ se définit lui-même en disant « Ego eimi he o pantocrator ». Moi, je suis le haut pantocrator, c'est-à-dire le tout-puissant. Et quand tu seras Dieu comme celui-là, tu ne vas pas avoir peur. Les choses qu'il dit à ton sujet, elles arriveront. Lorsque Dieu a écrit son droit, a écrit quelque chose sur toi, ses promesses s'accomplissent toujours. Elles s'accomplissent en leur temps. Il faut être patient. Dans cette convention de ministère, nous étions 25. Le premier culte, on était 25 personnes. Et après ça, parmi les 25 personnes, beaucoup ont commencé à partir parce qu'on n'avait pas d'instruments. Toi, tu as des instruments, mon fils. Vous êtes bien aujourd'hui. Nous, on t'appelle même. Et j'avais une famille à l'église qui avait 8 membres. 8 personnes, ça veut dire que c'est des familles qui ont l'influence.
dans l'église. On ne joue pas avec ce genre de famille. 8 personnes, mais avec tu fais 25 moins 8, ça reste combien? 17 environ. Donc on ne joue, cette maman était respectée. Parce qu'elle faisait partie, elle avait une grosse influence. Elle était comme une oligarque dans l'église. Elle avait son mot à dire. Parce que dès qu'elle me disait que si tu fais, je ne viens pas à la réunion prochaine. Tu dis, ah non, maman, ça va, tu veux quoi? Et on écoutait cette maman. On la respectait parce qu'elle avait une grande famille. C'était la Chine populaire. Donc, un jour, j'ai remarqué que la maman ne venait plus à l'église. Et après le culte, c'est le genre de brebis qu'on cherche. Le pasteur va à la maison. Il m'a dit, quand tu peux les retrouver. Et je suis arrivé ici, maman. Ah, c'est comment? Ça va? Pourquoi tu n'étais pas à l'église? Elle me dit, oh, t'es fatigué. Dis-tu, maman, dis-moi la vérité. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Elle me répond que non, en fait. L'église, on tape toujours les mains là. Il n'y a même pas la guitare, même pas le piano, même pas la batterie. Nous, on est fatigué de taper les mains. Nous, on veut déjà l'église où il y a la musique, on adore Dieu. Tu sens comment l'adoration entre dans ton cœur. Donc, nous, on a décidé d'aller dans l'église qui est à côté là. Elles m'ont quitté. Elles sont parties. Parce qu'on n'avait pas les instruments. Nous, on a persévéré. Ça m'a fait mal, mais on a persévéré. Et aujourd'hui, après quelques années, la maman a voulu revenir. Mais pour me rencontrer, c'était compliqué. Il y a des positions que quand tu les perds, pour les retrouver, ce n'est plus possible. Parce que la Bible déclare qu'un autre prend sa place. Voyez, d'autres personnes ont pris leur place. Ils ne savaient pas ce qui était devant. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. C'est ce que vous voyez. Et Jésus dit, le royaume des cieux est comme un grain de sénévé, un grain de moutarde qu'on jette dans le sol et qui se lève comme une faible plante, mais qui après quelque temps reçoit dans son feuillage et ses branchages des oiseaux du ciel qui viennent s'y reposer et des animaux de la terre qui viennent se reposer sous son ombrage. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, ça doit l'accomplir aussi. Dieu ne manque pas, mes amis. À moins que ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. À l'époque, lorsque le Seigneur m'a appelé en 2005 et que j'étais ici à Douala, parce que, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, moi je faisais le Benskin, j'ai fait le Benskin ici à Douala. Donc quand j'arrive en Dogotila, je vois les Benskineurs, je les respecte parce que je sors du milieu de Dieu. N'oublie pas d'où tu viens. Ah, la Bible dit, n'oubliez pas les craies du rocher duquel vous avez été tiré. Et dit, souvenez-vous d'Esaïe et de Sarah, votre mère. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu commences aujourd'hui, tu ne vois pas comment demain sera. Tu dois persévérer. Obéis à Dieu. Fais-lui confiance. Demain, ceux qui t'ont rejeté viendront chercher l'audience. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, j'habitais un quartier ici à Congo. Il y a un quartier de prostituées là, le Congo là. Makia, le Makia. Il y a un quartier de prostituées là. Je dormais là-bas. Un frère m'avait hébergé là-bas. Mais je vous dis la vérité, c'est dans ce quartier que j'ai eu les plus grandes révélations de mon ministère, dans cette maison. Je veux même partir demander si on peut me vendre la maison là. On va faire un hôtel de prière là-bas. J'ai vu des choses terribles là-bas. Les anges de Dieu descendaient presque tous les jours. Vous savez, quand Dieu commence à te courtiser, à te draguer pour son œuvre, ah, il ne te laisse pas dormir. Je dormais avec les anges tous les jours. Soit c'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'apparaissait, soit c'est les anges. Alors, un jour, j'ai eu une vision. Tous les habitants de Douala me poursuivaient et je fuyais. Ils disaient, frère, non, s'il te plaît, viens nous sauver. On a besoin de toi. Viens nous prêcher l'évangile. Viens nous prêcher l'évangile. On a besoin de toi. Viens à notre secours. Et moi, je fuyais et ils me poursuivaient. Tout Douala, les gens de Makia, partout là, me poursuivaient. Je me suis réveillé. Je me suis demandé, qu'est-ce que cette vision veut dire? Je n'étais même pas encore en formation. Aujourd'hui, je comprends ça. À Douala, nous avons l'une des plus grosses églises de notre ministère. L'église est bâtie sur plus de 2000 mètres carrés. Et elle est pleine. On fait des cultes les jours ordinaires, l'église est pleine. Pourquoi, mes amis? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tu dois faire confiance en Dieu. Parfois, c'est compliqué. Quand Dieu m'a dit, en 2005, tu as remarqué partout, tu es passé parmi les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué parce que j'ai mis un signe sur toi pour ces temps-ci. Quand tu es venu le temps de l'encre pleine. Je n'avais pas où dormir à l'époque. Je dormais sur les vérandas des gens. Parfois ici à Douala, je dormais dans les marchés. Parce que je n'avais pas où aller. Mais Dieu m'avait dit, le temps viendra, tu te lèveras et tu accompliras des grandes choses pour mon nom.
Peut-être que tu es ici, tu as de grandes promesses, mais tu ne vois pas. En fait, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il te dira la fin, mais il ne te dit pas le passage par lequel tu vas passer. Sinon, tu auras peur, ça va te décourager. Dieu te montre simplement l'aboutissement. Il te dit, tu seras grand. Et Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais ne lui montre pas tous les problèmes qu'il allait connaître dans sa vie. Sinon, tu vas te décourager. Tu vas dire à Dieu, non, toi et ta grandeur, restez, prenez-le. Moi, je ne veux pas la grandeur. Je veux une vie tranquille. Et ma vie a commencé à être tourmentée. Depuis la nuit où le Seigneur m'est apparu. Et il m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service. Ouvre les yeux, regarde. Plusieurs s'engagent à me servir à cause de leur force. Ils retiennent la vérité captive, ils ne la disent pas. Et beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Mais toi, tu craindras mon nom et tu marcheras devant ma face. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas plusieurs où est votre Dieu. Maintenant, j'ai persévéré. Beaucoup de gens n'ont pas cru en moi. Quand je suis arrivé au séminaire de théologie, on posait avec un pasteur, un homme de Dieu. Et il me racontait comment Dieu l'appelait. Moi aussi, je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. Que le Seigneur m'a parlé. Et Dieu m'a dit, un jour, je me lèverai au Cameroun. Et j'annoncerai l'évangile dans toute la nation et hors de la nation. Il m'a regardé, il a ri. Et ça m'a frustré. J'ai dit oui. Parce qu'à l'époque, mon aspect était squelettique, morbide, fantomique, fantasmagorique, mortuaire. Mon aspect isolé local était décourageant. J'étais un mort vivant, un squelette. Et, tu vois quelqu'un qui n'a même pas quoi manger. Mais il te dit, tu as dit, c'est un grand prophète. Hein. Le Seigneur dit, j'accomplirai des grands choses en son nom. Normalement, les gens doutaient. Ce n'était pas leur faute. Ils avaient raison de douter parce que mon aspect physique ne les encourageait pas à croire. Donc je ne leur en veux pas. Et il m'a dit, et j'étais le seul étudiant qui n'avait pas l'argent pour payer la formation. C'était 75 000 l'année. Je n'avais pas l'argent pour payer. Et il m'a dit ceci, je n'oublierai jamais ça. Il a ri, quand il a pris de rire, il m'a dit, pasteur Ferdinand, tu dis que Dieu t'a appelé, que tu seras. Il dit grand, il dit oui, grand. Ouais. Il dit, oh, j'ai du Cameroun, il dit, ok, d'accord. Et donc, même payer la pension, tu n'arrives pas et tu seras grand, c'est ça. Je lui dis que oui, ton problème c'est où? Il me dit que bon, mais Dieu qui t'a appelé là, est-ce que Dieu a oublié qu'on paye le corps? Est-ce qu'on fréquente crédit? Je n'oublierai jamais ça. Je suis resté tranquille, j'ai plus rien à dire. Donc, à chaque fois qu'on mettait les étudiants hors de la classe, j'étais aux assemblées de Dieu ici à Koto en Banga. Chaque fois qu'on mettait les enfants, les étudiants hors de la classe, j'étais le seul. Tout le monde en première année avait payé, sauf moi. Donc quand on les préparait pour les examens, on dit, celui qui n'a pas payé sort. On dit, Ferdinand, sort, je sors. Et quand je sors, je prie, Seigneur, paye ma pension, Seigneur, on se compte de moi, j'ai l'école. Je t'avais dit que moi, la paix, si moi, je ne veux pas, ça va prendre la tête de quelqu'un. Tu m'as pensé, voici ça maintenant. Je suis devenu un sujet de moi, et je pleure, et je prie. Un professeur passé un jour, il m'a regardé, il m'a dit, pasteur Ferdinand, j'ai admis ta foi. On te chasse de la classe, mais tu as la foi pour prier quand même. Il m'a dit, c'est admirable. En deuxième année, quelque chose s'est passé. En deuxième année, on m'a chassé. J'ai ramassé mes choses. On a dit, pas, tu ne continues pas l'école. Tu as fréquenté première année à crédit. Deuxième année, j'ai dit, je vais rembourser tout votre argent. Je vais aller faire le Benski. J'ai commencé à faire le Benski pour payer l'école. Mais le Benski, ça ne donnait pas, c'est 1500 par jour. Et 1500, le propriétaire de la moto réclame ça. Tu lui donnes tant d'argent, tu n'as pas pour manger. Donc ça n'aidait pas. Deuxième année, on a mis mes affaires dehors. La principale du séminaire théologique m'a dit pas. On a mis les choses dehors. Je lui ai dit, je ne peux pas partir. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit que j'ai tout perdu à cause de l'école. Tous ceux qui croyaient en moi, on dit, ok, comme tu veux être pasteur, vas-y, nous, on ne te soutient plus. J'ai tout perdu. Donc l'école, c'est ma famille. Dieu, c'est ma famille maintenant. J'étais là, je pleurais devant son bureau. Après, elle m'a dit, tu vas payer comment? J'ai dit, je vais faire le Benski, je vais rembourser. Comme je parlais, elle m'a dit, arrête de parler. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un a appelé du Nigeria. Il a dit que Dieu lui a dit qu'il y a un étudiant à l'école qu'on appelle Ferdinand. Et que Dieu lui a dit de payer sa dette de première année, de payer sa pension de deuxième année. Et elle m'a dit, tes dettes ont été payées. Et ton année, ta deuxième année a été payée. Et tu es le seul étudiant. Donc ça fait qu'en deuxième année,
Lorsqu'on demandait que ceux qui n'ont pas payé la pension sortent, je restais seul en classe avec le professeur. Tous ceux qui se moquaient de moi prenaient à l'effet dehors. Et je suis sorti le doyen des étudiants, le premier avec presque 20 de moyenne. J'étais 19,98 de moyenne. Les pasteurs sont venus me voir pour me demander, Pasteur Ferdinand, dis-nous ton secret, tu fais comment? Les vendredis, quand tu rentres à Douala, tu fais le best skin. Nous, on est ici, on étudie. Mais quand on fait les examens, tu as toujours 20 sur 20. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Je partais faire le best skin. Dieu savait pourquoi. Pour m'en sortir. Et quand je revenais, le dimanche soir, je disais, Seigneur, la compo, c'est demain. Qu'est-ce qui va venir? Le Seigneur me disait, ok, en théologie, voilà ce que le professeur va faire. En histoire de l'église, voilà. En apologétique, voilà ce qui va se passer. En homilétique, voilà. En herméneutique, voilà. En angélologie, voilà ce qui va arriver. Donc je savais ce que le professeur préparait tant le secret comme épreuve. Donc quand j'arrivais, je corrigeais les épreuves rapidement, je donne les rentre. Les autres restent manger le bic. Aujourd'hui, ceux qui m'avaient dit, ah ton Dieu là, il a oublié qu'on paye l'école, ils sont où? Ils ne s'en sortent pas, mes amis. On ne se moque pas de celui que Dieu a choisi. Je n'ai jamais perdu la foi. J'ai continué. Beaucoup de gens se sont moqués. Moi aujourd'hui, personne ne parle. Parce que Dieu n'est l'égal de personne. Je vous donne un conseil. Même lorsque tout le monde doute de toi, toi continue de croire en toi. Crois en toi. Et crois au Dieu qui t'a appelé. Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Crois en Dieu et crois en ce qu'il t'a dit et crois en toi-même. Lorsque tu te vois, dis-toi, moi si je marquerai ma génération. À une époque, quand je disais à ma mère, je serai le parapluie de cette famille, ma mère même doutait. Elle disait amen pour me faire plaisir. Ce matin, elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, je veux te bénir. Pourquoi? Parce que tu as nettoyé les larmes de mes yeux. Je dépasse toutes mes amies avec qui j'ai grandi. Elles sont mariées, mais ne sont pas heureuses comme moi. Tu m'as construit une maison. J'ai ma voiture à moi. Et chaque mois, j'ai 500 000 de rations que tu me donnes. Écoute mes amis, si Dieu te bénit, bénis ton père, bénis ta mère. Pense d'avoir tes parents. Vous comprenez? Ne vis pas bien pendant que tes parents vivent mal. Non, fais du bien à ceux qui t'ont donné naissance. Je dis souvent à ma mère que, ah, si tu voulais, je ne serais pas ici. Après, Dieu, c'est toi qui as autorité sur ma vie. C'est ça la réalité. Tu pouvais appuyer ma tête dans une bassine là. On vient, tu dis aux gens que je suis noyé, que je suis tombé là-bas seul. Les gens allaient croire. Et ce n'est pas prophète. Donc, tu as préservé cette destinée jusqu'à aujourd'hui. Amen. Que Dieu te rende grand. Amen. Que Dieu te rende puissant. Amen. Ceux qui n'ont pas cru en ta vocation, ils reviendront, ils croiront que Dieu est vivant. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom souverain de Jésus. Je vais finir avec ceci. Que Dieu te donne autorité sur les nations. Moi, je suis entré ici. La Bible dit, on dit combien on prophète. Eis, on nomme un prophète. Miston, prophète de l'Occitane. On dit combien on dit caillou. Eis, on nomme un caillou. Miston, dit caillou de l'Occitane. Tu m'as reçu comme un prophète. Et mon héritage doit rester dans ce ministère au nom de Jésus. Tu seras béni. Et ton église est bénie. Tous ceux qui croient en toi sont bénis au nom souverain de Dieu. Que Dieu rende ce ministère prospère. Et je prie que Dieu ouvre pour toi la porte des prophètes Rohe, la porte des prophètes Nebi et des prophètes Hosea. Que les trois familles prophétiques, les trois manteaux des trois familles principales des prophètes te soient donnés au nom souverain de Jésus. Ouvre-moi ça. Yeshua, mettons debout s'il vous plaît. Yeshua.
Avant de prier sur lui et sur vous, la Bible dit que Josué avait autant d'autorité que Moïse et que tout Israël était soumis. Les gens avaient la crainte de son nom. Et quand j'ai commencé à réfléchir, faut jouer au piano, jouer n'importe quoi, une adoration. Quand j'ai commencé à réfléchir, à chercher pourquoi tout le monde était soumis à Josué, j'ai découvert, je pense au dernier chapitre de son livre, la Bible dit que tout le monde lui était soumis, comme à l'époque de Moïse, car Moïse avait posé ses mains sur Josué. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, n'oublie pas le don qui est en toi et que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Lorsqu'un père pose sa main sur un fils, ce que le père pose repose sur le fils. C'est pour ça que Élisée a demandé à son père, elle dit, qu'il me soit donné la double portion du Beruaka de ton esprit. Et il a reçu cela. Je prie pour toi, fils, et pour tes frères. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Te soit donné et vous soit donné. Aucune principauté au Cameroun ne vous résistera. Dieu qui a soumis les principautés à mon ministère soumettra les principautés à vos ministères. Dieu qui a soumis les principautés familiales devant mon nom soumettra les principautés de ta famille devant ton nom, au nom puissant de Jésus. Père, je prie au nom souverain de Jésus que ce que seul Dieu peut faire soit accompli dans leur vie et dans leur famille. Que ta fidélité soit leur bouclier. Que cet enfant devienne un monument pour l'évangile au Cameroun et dans les nations au nom puissant de Jésus. Comme Moïse a béni Josué par ses mains et par son huile, Seigneur, je bénis mon fils par mes mains et par cette huile dans le nom précieux de Jésus. Que cette huile soit sainte, qu'elle soit consacrée au nom de l'Éternel. Que ton nom y soit invoqué maintenant. Et quiconque sera touché par cette huile, que sa destinée soit manifestée. Amen. Que sa prophétie s'accomplisse. Amen. Que ce qui lui a été volé lui soit rétrocédé. Au nom souverain de Jésus, Père, bénis leur vie dans toutes les dimensions. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient rendus prospères. Que la vie leur soit donnée et la vie en abondance. Que les plans de l'ennemi contre leur vie soient brisés. Que tout plan de Satan manifesté dans leur vie soit vaincu. Et que seuls tes plans soient accomplis dans la vie de chacun. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Père, je te crois devant les anges, devant la Sainte Trinité et devant ton Église, comme prophète des nations, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Rien ne l'arrêtera. Rien ne l'arrêtera. Les vents seront soumis devant lui. Les autorités seront soumises. Les démons seront soumis. Les sorciers seront soumis. Ses ennemis deviendront son marche-pied. Dans le nom puissant de Jésus, ses yeux sont ouverts. Et je lui souhaite la bienvenue dans la famille des prophètes voyants, dans la famille des Lévites, dans la famille des Rosés, dans la famille des Rohés. Dans le nom puissant de Jésus, personne ne te résistera, fils. Tant que tu vivras, personne ne te résistera. Dieu te donne les nations en possession. Et tous les gens fouleront les plans de tes pieds. Dieu te le donne en possession. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai. Que tu ouvres vos yeux. Que tes ministères soient élevés. Toi là, je vous supplie là-bas. Reçois le son de la royauté. Au nom souverain de Jésus. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, la saison chante. Fais cette chose.
sabes que te has hecho. El nombre de Je libère ta destinée royale. Que ta royauté soit manifestée dans ta vie. Que ta royauté soit manifestée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois l'huile de la royauté. Reçois l'huile de la royauté. Reçois l'huile de la royauté. Dans la maison de ton père, tu seras roi. Dans la maison de ta mère, tu seras roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois l'onction royale. Reçois l'onction royale. Les limites sont prises. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous pour que vous. Amen. Et la cataracte n'aura plus d'autorité sur votre vie. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Vous êtes guéri. Au nom souverain de Jésus. C'est lui, il a le diabète. Oui. Il est où? Il est en mer. Il est en mer. Vous êtes libéré au nom de Jésus Christ. Dis-lui que j'ai dit qu'il est libéré. Au nom de Jésus Christ. Amen. Qui retourne à l'hôpital. Le Seigneur vient de le toucher. Que Dieu vous bénisse. Oui, bonjour. Il appelle Joe. Bonjour. Il appelle les États-Unis. Oui, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Je veux la libération de mes papiers. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Que ce qu'il demande lui soit accordé. Que tout obstacle soit renversé au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand ça sera fait, vous rendez témoignage ici chez votre père, votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Donnez-lui ça. Qu'il soit prudent. Qu'il soit prudent. Dis-lui d'être prudent. Qu'il soit prudent. C'est qui pour vous? C'est votre fils ou qui? Dis-lui d'être prudent. Vous me suivez? Allô? Oui, soyez très prudent. Soyez prudent. Votre entourage n'est pas bon. Soyez prudent. Vous comprenez? Elle persévère ici. Elle persévère ici. Ok?
D'accord. Tu vas organiser un programme et je reviendrai ici. Amen. Qu'il soit prudent. Hein? Qu'il soit, que ce jeune homme soit prudent. Oui, qu'il soit prudent. J'ai déjà prié. Vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes marié. Vous allez prendre l'accouchement pour vous. On a dit quoi? Au nom de Jésus, c'est arrangé. Que ces enfants soient libérés maintenant. Au nom souverain de Jésus-Christ. Père, j'ordonne que la place soit préparée pour les enfants. Au nom précieux de Jésus-Christ. Hein? Oui. Elle est où? Elle n'est pas là. Il persévère ici. Oui, papa. Persévère ici à l'église. Papa. Il faut organiser un programme de 3 jours, un programme de délivrance prophétique ici. Oh, je vais faire 3 jours ici. Je ne suis pas venu prophétiser sur vous. Je ne sais même pas comment vous serez ici. Mais je vous dis une chose. Votre vie a été compliquée, vous. Sa destinée a été très compliquée. Vous avez tout essayé dans la vie. Vous avez essayé de faire tout. Mais ça ne vous a pas sauvé. Ça a été trop compliqué. Très compliqué. Vous comprenez? Très très compliqué. Mais la vie sentimentale là, c'est le problème. Sentiment le mariage, on dit là, c'est le problème. Et il y a quelque chose, vous voyez, les amis que vous avez eus, vous avez eu de très mauvais amis. Il y a une époque où vous avez commencé à avoir beaucoup d'argent, parce que vous faisiez dans les affaires, et dans les petites affaires. Vous commencez à voir l'argent. L'argent venait déjà, les choses marchaient pour vous. Et j'ai vu des choses. Dis-moi ton voisin qui est ton ami. Non, papa, laissez le pied. Regardez-moi. Je veux prier pour vous avant de partir. Je veux prier pour vous. À l'époque, je vous ai vu travailler avec un ami à vous qu'on appelait Alain, Alino. Ça fait longtemps. Vous êtes séparés de ce jeune homme. Hein? Ça fait combien d'années que vous êtes séparés? Plus de 20 ans. Hein? On l'appelait comment? Alino. Hein? Vous travaillez? En mer. En mer, oui. À l'époque là, vos poches étaient pleines. Vos poches étaient pleines. Quand vous reveniez, vous aviez l'argent. Il avait l'argent à cette époque. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Alino, il travaillait avec les remèdes en fait. C'est des gars qui pratiquaient pour réussir. Et il y a des choses qu'on leur demandait de faire à leurs collègues. Parce que c'est pas le seul avec qui vous travaillez avec un autre gars qu'on appelait Didier. C'est aussi un collègue à vous. Qu'on appelait Didier. Hein? Oui, toujours en mer, vous travaillez à l'époque d'Alino. Oui, c'est aussi un ami à vous. Il est où maintenant? Je sais pas, ça fait des années. On l'appelait comment? Vous savez que même Didier, c'est des gars que Alino avait emporté dans cette histoire que je vous dis là. Alino travaille avec les écorces. Et un jour, il vous a même dit ça. Parce que vous étiez en train de causer. Et puis Alino, ça c'est ce qu'il raconte, c'est au moins 24 ans aujourd'hui. Vous étiez en train de causer avec lui. Vous lui avez demandé, mais comment toi, tu prospères comme ça? Oh, il a dit, mais toi aussi tu prospères. Vous lui avez dit, non, mais pour toi, la prospérité là, t'as pas, on comprend pas. Et il vous a dit que non, moi j'ai quand même les petites écorces là. Dieu a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Et vous a montré les écorces là. À cette époque, il y a une jeune femme qui travaille avec vous aussi sur le bateau, qu'on appelait Marie. Et Marie aussi faisait partie de cette personne qui est Alino. D'ailleurs, même Alino, même vous avez discuté Marie avec lui. Parce que c'était une belle fille. Tout le monde dans votre bateau là avait les regards posés sur elle. Vous, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que vous avez été embouté sur le bateau. Vous avez été embouté. Depuis l'époque là, jusqu'aujourd'hui, votre vie, c'est la guerre. Dès que vous amassez, boum, ça se disperse. Dès que vous réussissez, bam, la pauvreté revient. Mais lorsqu'un prophète sort, l'impossible peut devenir possible.
Est-ce que vous comprenez? Je vais faire quelque chose pour lui. Est-ce que je peux libérer vos finances? Je ne suis pas venu prophétiser. We just came to pray for your church and bless you. Je peux faire quelque chose? Ok. Vous avez déjà fait partie d'une cotisation dans le passé. Vous avez fait une cotisation dans le passé. Vous avez fait la cotisation dans le passé. Bien. Il y a un ami à vous qui a votre argent. Ça fait des années. Sam, vous lui avez prêté l'argent. Il a pris l'argent de la cotisation. C'était l'argent de la cotisation. Hein? Vous l'avez avalisé. Maintenant, je vais prier pour vous. Il va vous appeler. Il vous appellera pour vous rembourser. C'est la parole de l'Éternel. Ça va arriver. Il va vous appeler. Il a changé de numéro. Maintenant, c'est 699, 90, 02, quelque chose à la fin. Quand on parle de numéro, sachez que c'est Sam qui vous appelle. Il va vous dire, non, s'il te plaît, viens prendre ton argent. Dieu m'a obligé de te rembourser. Parce que l'ange de Dieu lui sera envoyé dans les rêves. Et sera obligé de rembourser l'argent qui vous a fait. Et avec cet argent, Dieu ouvrira les portes de votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Your grace in Jesus' name. Lève ta main, je vais te bénir et repartir. Dis mon Père, Dieu de mon salut, que ta grâce soit dans ma vie. Que cette huile royale libère ma royauté dans cette génération. Au nom souverain de Jésus, aucune limitation ne me parera la voix. Ce qui a été dit par Dieu sur ma vie, je l'accomplirai au nom puissant de Jésus. Mon Père, mon Père, glorifie ton nom dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Appelez le papa là. Qu'il vienne. Je vais finir ceci. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent. Appelez-le. On va dire. Si le Dieu des esprits, ça va. Des prophètes me touchent. J'entendrai. Je serai comme jamais. Regardez. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Regarde cet homme. Ma prière, c'est que quand Dieu le restaure, qu'il soit une bénédiction pour ton ministère. Amen. Vous venez, soutenez ce ministère. Soutenez ce ministère. Je vais vous donner un secret que vous ne connaissez pas. Il y a une provision qui vous appartient, qui est prête depuis. Elle est là, elle vous attend. Mais vous ne saviez pas, il fallait un prophète. Il fallait que je vienne pour vous regarder ça. Regardez. Vous avez une importante somme d'argent. J'ai un ami à vous qu'on appelle David. Qui retient votre argent depuis. Hein? David. Il a pris votre argent. Vous avez tout fait. Vous appelez au téléphone, il ne vous répond plus. Il ne prend plus le téléphone. C'est ça. Hein? Ok, vous savez où il est? Il est dans le nom. Il est dans le nom. Appelez-le. Vous prenez la voiture, allez. Dieu lui a dit de vous remettre l'argent et il est en train de vous chercher à l'heure où je vous parle. Allez voir ta vie, il va vous remettre l'argent. Parce que vous avez besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Hein? Allez voir ta vie, il va vous rembourser votre argent. C'est 350 000 francs. Il va vous remettre ça. Et Dieu va ouvrir les portes. Et oui. Lève ta main. Lève ta main. Dis mon Père, mon Père. Je ne serai pas dans ma vie. Avec cette onction que j'ai reçue, l'échec ne sera plus mon partage. Au nom souverain de Jésus. Dis amen cette fois, c'est scellé. Amen. 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 Je veux me réconcilier.